Un beau bonjour à toutes et tous, voici en quelques mots ce que cet ange peut nous accorder et ensuite la prière à cet ange. L'ange numéro 27, Hieratel. Cet ange gardien, domination, exprime intensément les dons et pouvoirs de son centre. En lui, resplendissent les pouvoirs créateurs des séraphins, l'amour-sagesse des chérubins, la capacité d'ordre légal des trônes, ainsi que le pouvoir d'organiser le nouveau monde. Celui qui a la chance de l'avoir pour ange gardien peut se considérer comme un élu des dieux. Ce n'est pas par hasard que l'on a cet ange gardien, mais parce qu'on l'a mérité. Hieratel accorde l'optimisme, la joie, la paix et toutes les vertus supérieures qui conduisent à la réussite. Amour, argent, prestige, spiritualité, etc. L'invoquer signifie résoudre immédiatement les possibles problèmes personnels, politiques, sociaux. Cet ange reçoit toujours ses protégés, à bras ouverts, pour leur accorder la paix, l'apaisement, la réalisation de leur espoir. Prière à l'ange Hieratel. Ange Hieratel, permets-moi d'utiliser les vertus acquises tout au long de mes vies pour, avec elles, illuminer la partie obscure de mon univers, de mon existence. Je veux être une rivière de feu où puissent venir se purifier avec moi tous ceux qui le souhaiteront. Permets-moi de distribuer la flamme à tous ceux qui n'ont pas encore reçu leur part de vérité éternelle. Aide-moi, ange Hieratel, à survoler ce qui est profane, pour ensuite pénétrer dans le domaine du sacré, du saint. Aide-moi à trouver ma place dans le cosmos. Fais qu'en moi, l'intelligence soit le reflet de ton divin savoir et que, dans mon âme, la soif d'agir, d'apprendre, on apprend qu'en agissant, ne s'éteigne jamais. Et lorsque mon esprit se détachera de mon corps pour monter au-delà de lui-même, conduis-moi devant l'Éternel, face à face. Merci. Avec toute ma gratitude. Que l'amour et la lumière guident chacun de mes pas.